Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandy aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le top fait danser. Ambiance très relaxée, très passer son temps dehors et profiter de l'été. Et quel type de personnes composent la majorité de ton monde? C'est le anglophone, les francophones? C'est francophone, québécois. Il commence à être dépassé par les Français.
comme entreprise ici, qu'est-ce qui a fait que vous décidiez de vous installer ici? Alors, c'est un quartier qui est très authentique, très touristique aussi. Et ici, c'est un endroit où on trouve pas beaucoup de chaînes et beaucoup plus des petits magasins de familiaux authentiques pour représenter les gens qui habitent ici. Et c'est exactement notre magasin, le cadre de notre magasin. C'est un petit magasin familial et artisanal. Donc c'est l'un des meilleurs endroits pour s'implanter. Ça aurait été mon voyage. Et en même temps, on bénéficie beaucoup du tourisme parce que c'est très touristique. Et puis en plus de ça, c'est très joli. Donc c'est un bon coin pour s'installer. À votre avis, quels sont les points forts et faibles du plateau Montréal? Les points forts, vraiment, je vais commencer par l'authenticité. Le fait que c'est un vieux quartier dans lequel il y a quand même beaucoup de vieille architecture qui représente pas mal Montréal. Quels sont les points forts du quartier Montréal, c'est ça, du plateau? Vraiment, c'est son authenticité, comme je disais. C'est un très vieux quartier qui change beaucoup et qui est resté donc très authentique, encore une fois, familial aussi. Donc c'est vraiment agréable d'y vivre. C'est très joli d'un point de vue architectural. C'est très vert, il y a beaucoup de parcs à droite, à gauche. Donc les gens aiment bien s'y promener, consommer quoi que ce soit, puis aller dans un parc en hiver comme en été. Et ça rend notre quartier très attirant. En plus de ça, donc, comme les commerces sont vraiment. C'est des petits commerces, c'est des petits cafés, c'est des endroits très chaleureux et accueillants. Les gens y aiment beaucoup passer du temps. C'est très différent du centre-ville, par exemple, qui est beaucoup plus. C'est beaucoup plus la ville, c'est beaucoup plus des gratte-ciel, des chaînes, et beaucoup de passants qui marchent sans vraiment se regarder. Les points faibles, j'ai l'impression, c'est comme dans tous les quartiers, il y a forcément des points faibles. Je trouve qu'en été, ils ne ramassent pas les poubelles assez souvent, donc ça sent mauvais parfois. Mais bon, ça, je ne vais pas trop le mettre dedans. Ce serait plus, je ne veux pas parler négativement, mais il y a certaines personnes qui se sentent supérieures à d'autres à cause de, je sais pas, leur profession, d'où ils viennent. Et ici, on peut en trouver quelques-uns, comme partout. Mais moi, je suis d'origine française et j'ai rencontré beaucoup de Français. Et parfois, ils peuvent être gênants parce qu'ils se sentent supérieurs aux gens du coin, par exemple. Et ça amène un tas de problèmes, un problème culturel. Quand ils vont dire, par exemple, « Ah, mais c'est pas comme ça à Paris. » Ouais, mais ici, on n'est pas à Paris, on est à Montréal. Et ça va être pas forcément pour que les Français, mais des gens qui sont là de façon temporaire et qui à chaque fois ramènent tout à leur pays, sans se rendre compte que c'est pas une question de comparaison, on est dans un autre pays. Donc, ce serait un des points faibles. Et aussi, en tant que quelqu'un qui possède un commerce, et ça encore une fois, c'est pas forcément le quartier, c'est que par exemple les dimanches, les gens vont tous à la montagne pour faire les tam-tams. C'est génial, c'est super cool. Et encore une fois, ça ramène beaucoup de gens, ils passent tous au magasin quand ils reviennent de tam-tam. Donc nous, on est très heureux. Qu'est-ce que tu peux dire que ça distingue les autres entreprises de... On va commencer, parce que la compétition est rude, on va commencer par faire une comparaison avec les magasins de yogourt glacé en général, avec le même concept, création de son propre bol, facture au poids. On est les seuls, honnêtement, dans toute l'île de Montréal et même de la banlieue montréalaise, et plus je me rends compte, parce que c'est notre passion, donc je vais tester la compétition partout, tout le temps. Mon jour de congé, qu'est-ce que je fais? C'est d'aller voir avec ma copine, ma fiancée, les autres magasins. C'est ce que je fais. J'en ai profité énormément et j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait comme nous une maison artisanale. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des gens qui faisaient quelque chose de bon, mais industriel. Donc ils achetaient une poudre dans je ne sais quelle entreprise. Alors plus la poudre est chère, plus c'est bon, entre guillemets, mais c'est pas fait comme nous. Nous, par exemple, le sorbet à la mangue, c'est avec de la mangue. On prend de la mangue, on la mélange avec l'eau, on met de la pectine pour rendre une certaine texture. On joue avec les quantités de sucre en fonction de ce que les clients nous disent.
oh c'est trop sucré, la semaine d'après on va la faire un peu moins sucrée. Donc vraiment on le fait de cette façon-là. Et c'est la façon la plus authentique. Je reviens encore avec ce mot. C'est vraiment la meilleure, c'est le meilleur produit possible. Donc on est les seuls. Et il y a beaucoup de compétitions de bio glacés. C'est tous des chaînes, c'est tous des produits industriels et ils sont pas mieux les uns que les autres. Ils sont vraiment pas bons et plus chers. Et donc c'est vraiment là-dessus que je joue sur le marketing, la promotion du magasin. C'est que nous, vraiment, on fait ça avec des vrais produits. C'est nos recettes à nous. Par exemple, là, on a melon basilic. Et on y a pensé, personne d'autre. Donc c'est nous qui le faisons. Vous n'avez pas trouvé cette saveur ailleurs, ou si vous la trouvez, c'est que c'est quelqu'un qui l'a copié. Mais nous, on connaît super bien nos clients. Je pense que les autres aussi, mais on a quand même créé ici une sorte de lien étroit avec les gens. On les connaît, on les appelle par leur prénom. On a des cartes de fidélité qu'on garde spécialement pour eux dans la caisse. Je le vois, Jean-Marc qui arrive, je sais combien il a de cases cochées. Je sais combien il en manque pour avoir un yogourt glacé gratuit. Donc, on a quand même des liens très étroits avec les gens et ça, c'est super cool. Et enfin, pardon, c'était pas la dernière chose, mais l'avant-dernière chose, on a des événements de danse. Really shake 'em down.